Salut à toutes et à tous, bienvenue sur le coin des jeux et trophées. Aujourd'hui, à ma grande surprise, j'ai découvert que sur le PlayStation Store, il y avait la démo de Detroit Become Human de disponible. Elle fait un peu moins de 3 gigas. Et pour ceux qui connaissent pas trop ce genre de jeu, c'est disons que c'est par les créateurs de Heavy Rain, Beyond Two Souls, un peu plus vieux Fahrenheit sur PS2. Et voilà, c'est un jeu français. Donc c'est Quantic Dream qui l'a réalisé. Pour une fois, c'est un bon jeu français où il faudra faire des choix et en fonction des choix qu'on fait, il y aura des répercussions sur l'histoire. Donc on va commencer tout de suite cette démo. Expérimenter. On va mettre occasionnel. Voilà. Bon, c'est la partie du jeu qu'on avait déjà vue pour la plupart d'entre vous qui regardaient un peu les vidéos de jeu. On l'avait vu à la conférence Sony. C'est exactement cette séquence-là, donc le gars, en gros, c'est un androïde qui va devoir négocier avec un autre androïde qui a pris en otage un enfant, tout simplement. Donc, voilà, donc là, c'est moi qui dirige. On doit plus ou moins enquêter. Voilà, bah ça, là, Heavy Rain, hein, pour ceux qui connaissent, ceux qui ont joué, qui ont apprécié, vont forcément apprécier ce jeu. Graphiquement, c'est très joli. Très très joli. Donc, sauver, laisser. Bon, on va tout bien faire. Hein. On va essayer de tout faire correctement. On va essayer de jouer les gentils. Je vous en prie, vous devez sauver ma petite fille. Quoi? Vous avez envoyé un androïde? Venez, madame, vous ne pouvez pas rester. Vous ne pouvez pas faire ça! Vous devez envoyer un véritable être humain! Consultez les objectifs. J'en ai rien à battre! Mes hommes sont prêts à intervenir, suffit de donner l'ordre! Commandant Allen, je m'appelle Connor. Je suis l'androïde envoyé par CyberLife. Cet androïde tire sur tout ce qui bouge. Il a déjà descendu deux de mes gars. On pourrait facilement le descendre, mais ils sont sur le rebord de la terrasse. S'il tombe, elle tombe aussi. Connaissez-vous son nom? J'en ai aucune idée. Ça change quelque chose? J'ai besoin d'informations pour déterminer la meilleure approche. Savez-vous s'il s'est déjà comporté étrangement auparavant? Écoute, la priorité, c'est de sauver cette gamine. Alors occupe-toi de ce putain d'androïde, ou c'est moi qui m'en occupe. Ok.
comme vous voyez, un pourcentage de réussite. Plus on va enquêter et plus on va, disons qu'on va plus ou moins réussir à gérer la situation. Donc ça, c'est une situation parmi beaucoup de situations. C'est vrai que c'est assez spécial comme jeu, mais ça change un peu de ce qu'on peut avoir comme les jeux d'action ou... D'accord, donc je viens de griller qu'en pivotant, on découvre des indices supplémentaires. Il faut bien jouer avec la caméra apparemment. Je vais prendre l'arme. Parce qu'en fait, j'ai envie de lui péter la tête. On va essayer. Je pense que c'est possible de pouvoir lui tirer dessus. Couvrez-moi le temps que je récupère. Je répète, homme à tête, je vais vous transférer mes gars. Bon, allez,
On y va. On attend quoi, au juste? On devrait abattre ce moment. Allez, c'est parti. On va tenter de l'arrêter. Fais pas un pas de plus ou je saute. Non, ne fais pas ça. Je t'en supplie. Allez, allez, allez. Bonsoir, Daniel. Comment? Je m'appelle Connor. Comment tu connais mon nom? Je sais beaucoup de choses sur toi. Je viens de sortir de ce mauvais pas. Ah d'accord, donc j'ai pas réussi à... D'accord. Donc j'ai foiré un peu le truc. Je ne vais pas te faire de mal. Je veux juste discuter et trouver une solution. Discuter? Je veux pas discuter. C'est trop tard de toute façon. C'est trop tard. Est-ce que t'es armé? Non. Je n'ai pas d'arme. Tu mens. Je sais que tu as une arme. Je te dis la vérité, Daniel. Je suis venu sans arme. Je sais qu'Emma et toi étiez très proches. Tu penses qu'elle t'a trahi, mais elle n'a rien fait de mal. Elle m'a menti. Je croyais qu'elle m'aimait. Et la couleur sur son... Mais j'avais tort. Sur le rond de sa tête qui change. Autres, Daniel, non! Écoute, je sais que ce n'est pas ta faute. Ces émotions que tu éprouves ne sont que des erreurs dans ton programme. Non, c'est pas ma faute. J'ai jamais 74. Voulu ça. Je les aimais. Tu vois? Mais j'étais rien à leurs yeux. Rien qu'un esclave à qui on donne des ordres. Il perd du sang. Si on ne le conduit pas à l'hôpital, il va mourir. Tous les humains finissent par mourir. Quelle différence si celui-ci meurt maintenant? Je vais lui poser un carreau, d'accord? Ne touche pas. Touche-le et je te tue. D'accord. Oh, ça monte à 80. Le pire, c'est que j'ai pas beaucoup enquêté, quoi, et... Tout va bien, Emma? S'il vous plaît, aidez-moi! Je veux pas mourir, je veux pas mourir! Personne ne va mourir! Reste calme, tout va bien se passer! Je peux plus supporter ce bruit! Fais dégager cet hélicoptère, maintenant! Voilà. Comme tu as demandé. Oh, 90% de chances de réussir. Inspirez confiance. Tu dois me faire confiance, Daniel. Libère l'otage et je te promets que tout se passera bien. Je veux que tout le monde s'en aille. Et je veux une voiture. Quand j'aurai quitté la ville, je la laisserai partir. Trouver un compromis. Ce n'est pas possible, Daniel. Libère la fille, et je te promets qu'on ne te fera pas de mal. 99%. Ah, ça rigole plus. Rassurez. Tu ne vas pas mourir, nous allons simplement discuter. Il ne va rien t'arriver, tu as ma parole. Oh, 100%. Ok. Je te fais confiance. Ça c'est bâtard. Oh, comment c'est bien fait. Tu m'as menti, Connor. Tu m'as menti.
D'accord, tout ça pour en arriver là en fait. D'accord, négocier. Donc tout ce qui est verrouillé, c'est tout ce que j'ai pas réussi à découvrir. Donc il y avait pas mal de choses à découvrir pour y arriver soit plus rapidement, soit... On va continuer. Je suis l'androïde envoyé par CyberLife. Un petit trailer. Regarde-toi! Tu dois accepter le monde tel qu'il est, ou te battre. Mon nom est Kara. Mon nom est Marcus. Je m'appelle Connor. Ceci Ceci est est notre notre histoire. histoire. Le 25 mai. For the players. C'est bientôt. Oui, on va refaire la scène, mais je vais essayer de la faire trash. On va essayer de la faire, mais complètement tout foirer, voir comment ça peut dégénérer. Vraiment pour montrer toutes les possibilités. Alors, si j'ai bien compris, il y aura trois personnages en parallèle. Donc il y aura l'histoire de Connor. Il y aura l'histoire de... Oh, on va y... ouais, on va essayer de le faire à l'arrache. Vraiment à l'arrache. Donc c'est par ici. On va essayer de tout faire à l'arrache. Je vais prendre l'arme et je vais essayer justement de tirer dessus moi-même. Et après, je vais essayer peut-être d'en refaire une. Sans l'arme et en le provoquant un petit peu en fait. Juste pour voir jusqu'où ça pourrait dégénérer. Et... Après, on imagine bien comment ça peut dégénérer, mais bon. Vraiment pour montrer tous les cas, tous les scénarios probables. Même s'il doit en avoir une. Même s'il doit en avoir pas mal. Là, je comprends un petit peu le principe. Là, ça déverrouille toute la scène. Et il y a des scènes comme ça un peu partout dans l'appartement. Je vais le prendre. On va voir comment ça peut dégénérer. Je vais essayer de l'abattre. Recule! Fais pas un pas de plus ou je saute! Non, ne fais pas ça! Je t'en supplie! Allez, allez, allez! Je m'appelle Connor! Et toi? Comment t'appelles-tu? Daniel! C'est le nom qu'ils m'ont donné! N'approche pas! Là, j'ai même pas enquêté, j'ai rien foutu, j'ai juste ramassé l'arme. Commence à diminuer d'un coup là. Je te demande de laisser partir Emma. Ce n'est qu'une fillette. Elle n'a rien à voir dans toute cette histoire. Sûrement pas. Tu vas me buter dès que je l'aurai remplacée. Je suis pas idiot à ce point-là. Non, non, c'est pas idiot à ce point-là. Est-ce que t'es armé? Non. Je n'ai pas d'arme! Tu mens! Je sais que tu as une arme! Je te dis la vérité, Daniel! Je suis plus sans arme! Regarde-toi! Là, j'ai fait accusateur. Tu es conçu pour servir les humains, pas pour les tuer! Et qu'est-ce que ça fait de moi? Leur esclave? Leur jouet? Je voulais juste qu'ils s'intéressent à moi! Je voulais juste qu'ils prennent ma place! Je voulais juste être quelqu'un. Tout va bien, Emma? S'il vous plaît, aidez-moi! Je veux pas mourir! Je veux pas mourir! Personne ne va mourir! Reste calme!
Tout va bien se passer. Il n'y a pas d'issue, Daniel. Ce que tu as fait est trop grave. La seule question est de savoir si tu vas faire une autre victime innocente. Ce n'est pas ton choix. La balle est dans mon camp. Oula. Si je meurs... Je suis dans le rouge, là. Elle meurt aussi. Ouh. Tu m'entends? Je peux plus supporter ce bruit. Fais dégager cet hélicoptère, maintenant. On va refuser. Je ne pense pas qu'il m'écouterait. Je suis ta dernière chance, Daniel. Si tu la laisses tomber, ils te tueront. L'hyperbotage, tu n'as pas d'autre choix. J'ai exagéré, là. Je veux que tout le monde s'en aille. Et je veux une voiture. Quand j'aurai quitté la ville, je la laisserai partir. Allez, boum. Comme quoi on peut faire le jeu vraiment comme on veut. Mais on aurait pu perdre les deux personnes quand même, l'android et la gamine. Ça aurait vraiment été con. Et comme vous le voyez, on peut vraiment orienter son histoire. Donc on peut refaire le jeu une seconde fois, on redécouvre un petit peu les facettes du jeu. C'est ça qui est intéressant dans ce style de jeu. Bah, je vais me laisser tenter le mois prochain, je pense. Et je referai un gameplay. Moi, j'essaierai de refaire un gameplay par la suite. Donc là, on voit, j'ai rien foutu. Et Connor a abattu le déviant. Il y a plusieurs embranchements. On peut le recommencer à volonté. D'ailleurs, je vais peut-être en faire une troisième. Tiens, on va pousser le bouchon un peu plus loin. Je vais en faire une troisième et je vais essayer de pas intervenir, voir si ça peut dégénérer encore plus. Allez, c'est parti. Je vais essayer de faire tomber le compteur à zéro. Ouais, on va y aller à l'arrache. Allez, c'est parti. Donc là, il y a... Voilà, ça permet quand même de voir les points d'intérêt. D'accord, en faisant R2, on voit les points d'intérêt de la pièce. Il y en a quand même pas mal que j'ai raté. Hein. Mais bon, on va y aller à l'arrache et on va essayer de le provoquer au maximum. Non pas que je suis sadique, mais c'est vraiment pour voir toutes les facettes. Ou du moins trois embranchements. Allez, on sort tout de suite. Recule ! Fais pas un pas de plus ou je saute ! Non, ne fais pas ça ! Je t'en supplie ! Allez. Il va me demander mon nom. Où je vais même pas me présenter en fait, je vais attendre. Ça va faire baisser le compteur à fond la caisse ça aussi. Je m'appelle Connor. Et toi? Ah bah d'accord, comment t'appelles-tu? Tout seul. Daniel. C'est le nom qu'ils m'ont donné. N'approche pas. Alors. De laisser partir, Emma. Ce n'est qu'une fillette. Elle n'a rien à voir dans toute cette histoire. Sûrement pas. Tu vas me buter dès que je l'aurai replacé. Je suis pas idiot à ce point-là. Non, je suis pas idiot à ce point.
accusateur. Regarde-toi! Tu es conçu pour servir les humains, pas pour les tuer! Et qu'est-ce que ça fait de moi? Leur esclave? Leur jouet? Je voulais juste qu'ils s'intéressent à moi! Je voulais juste avoir une place! Je voulais juste être quelqu'un! Tu es défectueux, Daniel. Il y a un problème avec ton logiciel, nous allons te réparer. Et tu verras que tout rentrera dans l'ordre. J'ai pas besoin qu'on me répare. Je fonctionne parfaitement. Mais j'ai les yeux ouverts maintenant. Plus jamais je laisserai quelqu'un m'humilier comme ça. Jamais! Il perd du sang. Si on ne le conduit pas à l'hôpital, il va mourir. Tous les humains finissent par mourir. Quelle différence si celui-ci meurt maintenant? Je vais lui poser un garrot, d'accord? Ne le touche pas! Touche-le et je te tue! Ignoré. Tu ne peux pas me tuer! Je ne suis pas vivant! Instable. Ça y est, ça part en cacahuète. On va essayer d'aller vers l'autre. Tout va bien, Emma! S'il vous plaît, aidez-moi! Je veux pas mourir! Je veux pas mourir! Personne ne va mourir! Reste calme! Tout va bien se passer! Je peux plus supporter ce bruit! Fais dégager cet hélicoptère, maintenant! Refuse. Je ne pense pas qu'il m'écouterait! Vous voyez que je pouvais aller voir le gars dans la piscine, mais pas du tout. Dernière chance. Je suis ta dernière chance, Daniel. Si tu la laisses tomber, ils te tueront. Libère-moi. Voilà, zéro. Tu n'as pas d'autre choix. Ça va partir en couille. J'ai passé ma vie à obéir aux ordres. Bon, désolé les amis, mais ça va peut-être être violent et choquant. Mais bon. Cette fois, c'est à moi de décider. Waouh. Ça pue. Mission échouée. Donc voilà, trois embranchements. Comme quoi chacun peut faire sa partie bien, bien perso. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour cette démo, parce que après, bon, on va pas fignoler non plus, mais on a vu déjà au moins trois possibilités. Donc voilà, Connor n'a pas pu atteindre le déviant à temps. Voilà, donc je ferai sûrement un gameplay, peut-être pas forcément de cette mission-là, mais peut-être la suivante, ou dès le début, parce que là, c'est pas vraiment le début du jeu, je ne crois pas. Donc on va sûrement faire un gameplay du début. Voilà, j'espère que ça vous a plu, et je vous dis à bientôt sur le coin des jeux et trophées.